Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 88 de notre let's play sur Pokémon Rouge-Feu. La dernière fois nous avions commencé la grotte mystérieuse, la grotte perdue pardon. Et entre temps, eh bien c'était la fin de l'épisode mais également la sortie du trailer de Avengers 4 Endgame. Et pas Annihilation comme les théories qu'il y avait eu. Alors, ma réaction, de toute façon, vous la retrouverez sur Twitter. En gros, c'est magique. Pendant ce temps, on va bouger. Droite, haut. Tout simplement magique. Rien de dire, rien d'autre de plus à dire. Bas, encore bas. Droite et droite. Magistral. J'approuve totalement. Et pour le super bonbon, c'est droite au bas. Alors droite au bas, bas droite gauche, bas droite gauche, bas gauche. Super bonbon. Et pour l'objet le plus important, alors droite, haut, bas, encore bas, droite, gauche, bas, droite, haut, bas, droite et haut. Sinon aussi l'annonce de Crash Team Racing. Fuel de quelque chose, très bien aussi. L'annonce est bien que j'avais vu ce matin de Joker de Persona 5 dans Smash Bros. Super aussi. Je ne suis pas forcément familier avec la licence Persona, mais bon, c'est très sympa de voir cette licence représentée sur Smash. Alors, pourquoi ça lag? Je pense que je sais pourquoi, et je ne pourrais rien y faire parce que je suis tout simplement branché sur mon PC. Tout simplement. Pour, eh bien, enlever les épisodes beaucoup plus rapidement. On va envoyer Torch, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. En tout cas, personnellement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et il va bientôt passer niveau 53, d'ailleurs. Et je voulais pas faire morsure. De toute façon, on est tourmenté, on ne pourra pas faire deux fois la même attaque. De suite! Eh, morsure, ça fait mal en tout cas. On va utiliser lance-flamme. Et pour ceux qui ne sauraient pas, le dresseur qu'on est en train actuellement d'affronter est tout simplement Témis, la fille que la propriétaire pardon, du camp de vacances. Voilà. Et elle nous demande de rechercher des Pokémon. Merci, tu peux y aller maintenant. Eh ben non, je viens avec toi. C'est Tentacool. Alors, si tu veux, je vais te montrer mon Tentacool. On se ramène sur l'île 5. On va récupérer un Tentacool. Il me semble qu'on en avait un capturé. On va... Non, on va déplacer objet. Déplacer des Pokémon. Alors, pas de Tentacool ici. Et est-ce qu'il y en a un ici? Oui. On a Pulpitos. On va enlever l'œuf. Et on va se dépêcher de montrer notre Pulpitos à Témis. Oula, le jeu lag vraiment. Évidemment, on ne peut pas y aller, sinon ce n'est pas drôle. Du coup, on va devoir
surfer jusqu'à là-bas. On va utiliser un super repousse. Super repousse, où est-ce que je les ai mis déjà? Ils sont ici. Qu'est-ce que ça lag? Je sais même pas si... Ben, c'est pas ici qu'il faut venir. Et je viens de me rappeler que je devais récupérer cet objet en off et que je ne l'ai pas fait. Je le ferai après. Juste après. Allez. Allez. Le camp de vacances. Oh non, on va devoir se retaper le labyrinthe d'eau. Ah bah non. Elle va nous donner une Lux Ball qu'on va récupérer. Le majordome qui pop de n'importe où. Une Lux Ball. J'espère que vous réussissez à lui rendre. Je veux la réussite, toutes les réussites possibles. Mais apparemment, elle nous donne deux objets. Abra. Alors par contre, là, Abra, je pourrais pas t'aider. Il me semble pas avoir d'Abra. Donc, RT. Alors on va utiliser vol, on va retourner à la maison. La zone du mémorial, on l'avait déjà faite. Bah, prochaine étape, c'est, eh bien, l'île 6. Et ouais, on a déjà terminé cette île 5. On va déposer Pulpitos, on va récupérer notre œuf. On va déposer quelques petits objets au PC, de type encens qu'on a récupéré et qu'on n'utilisera peut-être jamais. Alors j'espère par contre que l'œuf n'a pas été reset, sinon ça sera un petit peu con. Hop, PC de canne, stockage objet, on va déposer la peau métal, l'encens doux, le super bonbon, le rappel max. L'encens mer, on va peut-être le garder. On a combien de super bonbons, juste pour savoir? On en a 8, ce qui est pas mal. Rappel max, on en a 4 et on a 2-3 petits objets un petit peu random. Du coup, c'est pas la fin de l'épisode, non. Mais bientôt. Ah non! Juste avant de quitter l'île 5, il nous reste une toute dernière petite chose à régler. Ok, l'effet du repousse si tu veux. On va déposer quelqu'un en 2 secondes là. Et on va récupérer notre Splinter. Allez hop, on va enlever 2 secondes littéralement torche. On va juste récupérer l'objet avec coupe. Parce que sinon je sens que je vais oublier et je vais jamais pouvoir vouloir le récup. Et vu qu'on est là pour faire une aventure, autant la faire jusqu'au bout. Allez Splinter. Et on a obtenu une potion max. On va garder. Bon. Cet épisode, il n'y aura pas eu grand chose. Mais je vais eh bien arrêter l'épisode ici. Pourquoi je soigne les Pokémon, j'en sais rien. Je vais aller capturer les Pokémon qu'on n'a pas pu capturer lors du labyrinthe d'eau. Et on se retrouvera, je pense, la prochaine fois pour démarrer la suite de la série, et eh bien, dans le sur, pardon, l'île 7, 6, pardon, et pas 7. Du coup, au revoir Splinter, et rebonjour Torch. Non, mais... Merci. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5, enjoy.